Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue. Donc pour votre guidance pour les 2 mois de l'été, donc juillet et août. Alors pour cette guidance donc générale, donc il y aura une première guidance générale et après il y aura les guidances sentimentales qui vont suivre. Alors on va commencer pour ceci par les dés. Ensuite, on utilisera donc une carte du pouvoir du lâcher prise qu'on va garder pour tout le long de la guidance. Ensuite, on utilisera, là on va passer aux oraclescopes. On utilise une carte de l'oracle de l'énergie, en énergie principale et dominante. Après, on fera un petit tableau avec deux Lenormand, donc le Fairy Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand combinés avec cette énergie dominante. Ensuite, nous ferons un petit tableau également avec deux oracles Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline, donc il est là, le classique, qu'on connaît tous, celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour l'oraclescope. Et après, on fera un taroscope avec, donc je vais vous faire voir ça, les arcanes majeures du Modern Witch Tarot uniquement. Un taroscope bien complet avec plusieurs domaines et de Light Seer's Tarot en complément donc des arcanes majeures de ce tarot-là. Et à la fin, on terminera par un petit message de ce jeu-là. Alors, comment il s'appelle? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est l'oracle Lumière. Voilà, c'est des messages simplement. Donc voilà les amis, je rappelle que c'est général et collectif, hein, comme vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde ou tout ne pourra pas vous parler hein, forcément, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors comme je l'aurais dit tout le temps, vous écoutez votre signe solaire. S'il vous parle, c'est bon, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien après, ça donne trop d'informations. S'il vous parle pas ou très peu, hein, ou si vous sentez que ça, c'est pas, vous le laissez tomber, allez voir l'ascendant. Mais par contre, peu importe que vous regardez le solaire ou l'ascendant, regardez toujours le signe lunaire. Et pour le sentimental, qu'on verra après dans d'autres vidéos, regardez aussi le signe vénusien. Alors, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Donc, on a pour juillet-août, donc le bonus avant-première. Ça, c'est très important d'aller le voir parce que ça donne une petite info complémentaire. On a également, j'essaierai de vous mettre là le petit i là au fur et à mesure de la guidance, si vous voulez cliquer et puis aller voir après ou bien vous allez voir dans les playlists. On a aussi alors les guidances de l'été pour chaque signe. Donc, et on a également les guidances aussi de l'été, donc juillet-août, parce que j'ai, ou pour 3 mois, j'ai fait par élément. D'accord? Donc signe d'eau, signe de feu, de terre ou d'air. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide vraiment à grandir la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent et qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Au cas où, si j'oublie dans les guidances des signes, je vous souhaite un très 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 bel été et joyeux anniversaire encore au Lion et au Cancer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? De toute manière, voilà, là je fais la guidance pour les 2 mois. On se retrouvera en juillet et en août pour des petites vidéos comme ci, comme ça, avec les guidances anniversaires aussi et le cadeau de gratitude, bien sûr, aux alentours du 20 du mois. Et sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à partir de fin août. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. À tout de suite, bisous. Allez, il reste pas beaucoup de signes. C'est parti. On va prendre cette carte et cette vidéo concerne, oups, donc les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien et que vous commencez un bon mois de juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet et on y va pour votre guidance générale pour ces 2 prochains mois. Allez, on commence par les dés. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, donc l'introduction, si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise. Allez. Alors, on a la Lune qui va nous parler d'émotions et on a l'énergie du Scorpion qui est l'équivalent de la mort, donc mort, renaissance, fin. En tout cas, on a beaucoup d'émotions peut-être par rapport à quelque chose qui prend fin, soit par un renouveau, soit par rapport à quelque chose qui prend fin. Ok, mais on va voir, on va obtenir un petit peu plus de précision au fur et à mesure de la guidance. Allez, on commence avec le pouvoir du lâcher prise. Quand je vous parle de fin, c'est quelque chose soit qui a pris fin
ou qui va prendre fin, ou sinon on a aussi un renouveau avec l'énergie de la mort, donc à voir. Allez, on va prendre une carte de cet oracle, donc qui va nous accompagner pour toute la guidance. Scorpion. C'est parti. Voilà. Cancer, excusez-moi, je sais pas. Ah oui, voilà, j'allais dire, je sais pas pourquoi je dis scorpion, mais parce qu'on a le scorpion. Mais vous, vous êtes cancer. Après, vous avez peut-être aussi un signe du scorpion. Vous avez peut-être du scorpion dans vos autres signes ou vous êtes accompagné d'un scorpion éventuellement. Allez, c'est parti. Laissez parler votre intuition, les cancers. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc, vous voyez, c'est un mois aussi avec la lune très intuitif. Donc, écoutez vraiment votre intuition, mais aussi les synchronicités. Soit par rapport à un renouveau, soit par rapport à une fin. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. Donc, je vais bien les mélanger parce que c'est ce jeu, je prends les cartes à l'endroit ou à l'envers. C'est parti, cancer. On y va. Voilà. Alors, qu'avons-nous les amis? Ouh, bah voilà, la patience. Eh oui, ah, elle est très belle cette carte, la carte numéro 16. La patience. Bon, c'est bien, on a la patience à l'endroit. Donc là, effectivement, peut-être qu'on vous demande du temps. On vous demande peut-être... Bon, là, on a quand même une fin de désespoir. Hein. Donc pour certains, peut-être qu'on vous demande de la patience. Il y a une notion d'immobilité. Cette carte, hein, cette énergie, c'est vraiment le calme, le fait d'être paisible, ou pour certains, peut-être qu'il est temps aussi hein, de vous libérer du vieux, des vieux sentiments aussi d'urgence, vous voyez, et de voir les choses avec une meilleure perspective, donc avec un petit peu plus de patience. S'il y a une situation dans laquelle, pour vous, ça n'avance pas assez vite, eh bien, tout simplement, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, laissez le temps au temps. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'il faut, parce que la mort, c'est aussi la métamorphose, c'est peut-être dans ce sens-là aussi les cancers qu'il faut changer pour vous. Détendez-vous pour cet été, chassez le désespoir. Vraiment, ça résout rien du tout. N'essayez pas aussi d'imposer votre volonté pour que quelque chose se concrétise. Lâchez prise, tout simplement. D'accord? S'il y a une notion de patience, si les choses ne vont pas assez vite selon vous, ce n'est pas pour rien. C'est que ça doit être comme ça. Vous devez être plus à l'écoute de votre intuition, des signes et des synchronicités. Alors maintenant, on va voir de quoi on nous parle avec les Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, actuellement, juillet et août. Voilà. On y va avec le deuxième Lenormand. Allez, on découvre les cartes. On y va avec là. Donc là, on a les poissons. Alors, ok, les poissons, ça va être votre ressource. Ça peut être aussi... bon, on a là des choses compliquées, là. Des accords, disputes, peut-être dans le domaine financier. Pourquoi pas? Ou sinon, ça va être tout ce qui est affaires, argent, professionnel. D'accord. Et on a une union. Ok. Et des communications. Bon, j'ai l'impression que... Bon, je sais pas. Il y a des disputes, il y a des conflits, certainement, dans une union concernant l'argent pour certains.
L'argent ou l'accord, c'est quelque chose comme ça qu'on voit ça. Problème de communication. Alors, on y va avec actuellement, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah là, actuellement, avec la carte numéro 8, on a une fin. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui prend fin actuellement, il y a quelque chose qui est fin, qui est fini, pardon. Avec la carte de la maison, là, on va parler soit de votre foyer. Pour certains, peut-être que c'est la fin de votre foyer et pour le coup, il y a peut-être des complications, des problèmes au niveau financier ou des disputes, des désaccords. Pour d'autres, c'est quelque chose qui prend fin intérieurement en vous. Fin d'un couple aussi, pourquoi pas. Alors, juillet, on continue. L'anneau. Bon, il y a cette notion d'anneau là qui revient là. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a avec l'anneau? Et on a le mont. Le pont. Non, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas le mot. Mince. Le puits. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ouais, on a une union profonde là. Il y a une union profonde qui vous tracasse, les cancers. Moi, je pense que là, juste pour cette partie-là, ça a peut-être parlé aux personnes qui sont engagées ou mariées ou qui étaient. On a des problèmes de communication en lien avec l'argent. Peut-être pour un divorce ou peut-être s'il y a quelque chose en commun, je ne sais pas. Ou sinon... peut-être professionnel aussi pour certains, mais en tout cas, on sent un engagement qui prend fin. D'accord, qui prend fin. On peut parler aussi d'un déménagement. Il peut y avoir des problèmes de communication pour l'achat d'une maison, la vente ou un déménagement. D'accord. Et là, au mois de juillet, vous allez aller chercher, puiser au fond de vous, puiser la sagesse aussi, hein, au fond de vous. Hein. C'est vraiment ça qui me vient. Allez, on va voir en août ce qu'on a. La cigogne. Bon, bah, vous prenez le nouveau départ ou bien vous arrivez à déménager. Vous voyez, avec la cigogne, c'est la nouveauté. Ah, ok. Une nouvelle accord, une nouvelle union, un nouveau travail, un nouvel achat, un nouveau déménagement. Vous voyez, bon, il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau, ça c'est clair et net. Sauf que entre-temps, il y a peut-être des problèmes de communication en lien avec le financier. C'est ce qu'on voit. Là, il y a quand même un choix à faire au mois de juillet, mais il va falloir puiser au fond de vous pour faire le bon choix. Mais je pense que pour moi, c'est le choix de prendre un nouveau départ. D'accord? En accord avec vous-même ou en accord avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est ce qui me vient là. C'est ce qui me vient. On a des conflits par rapport à l'argent. Bon, après, c'est pas forcément l'argent, mais ça peut l'être aussi. On a des communications... dans une union ici, conflit professionnel, financier ou beaucoup de conflits par rapport effectivement à une fin. Et tout à l'heure, on avait l'énergie de la mort. Donc, beaucoup d'émotions, mais laissez le temps au temps, patientez, pas de décision hâtive. Soyez à l'écoute justement des signes. Il y a de la nouveauté qui arrive aux alentours du mois d'août. Allez, on prend un autre message avec l'oracle Béline, les deux Bélines. C'est parti. Ouais, beaucoup de... Oh là là, l'étoile de la femme et la fatalité. Beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose qui prend fin, qui s'achève. Hein. Regardez, on a la maladie. Hein. Un mal-être. Hein. Je sens que c'est un mal-être. Hein. Donc, soit c'est vous hein, qui finissez avec quelque chose, ou soit on vous l'impose hein, aussi. Hein. Cancer. Ou sinon, c'est aussi une fin qui a eu lieu, plus ou moins lointaine, mais pour laquelle vous souffrez encore aujourd'hui. Allez, actuellement, bon, ben on va prendre les deux, juillet et août. Voilà, le deuxième Béline, cancer. Oh, décidément, j'en ai deux là aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La table. Donc là, il y a le fait d'avoir une vie sociale, de se faire plaisir, peut-être d'échanger. La grâce, d'accord, ok. Il y a une guérison. Bon, je pense que là, ouais, il y a un départ. Il y a quelque chose qui s'achève dans tous les cas. On a Saturne là ici. Hein. Il y a la fin de... Il y a quelque chose qui s'achève, mais moi, je sens du soutien ici.
Voilà, on a la fatalité qui revient derrière, du soutien familial, amical, peu importe, hein. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être... parce qu'on a beaucoup de cartes. Ruine, bah oui, il y a quelque chose qui s'effondre. On a la carte de la rupture, vous voyez. Peut-être pour certains, vous êtes un peu anéanti. Mais on me dit que c'est le destin. C'est la destinée. Soit c'est votre choix, soit ce n'est pas votre choix. Mais dans tous les cas, c'est positif. Finalement, parce que c'est le choix aussi de votre âme. Donc, pour ceux qui se sentent mal dans quelque chose qui s'est effondré ou qui sont encore dans des énergies d'une fin passée... lâchez prise parce que c'est le destin qui est comme ça. Là, on tient vraiment à vous le dire, les cancers. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la famille. Alors, donc, pour certains, c'est une fin de relation, un divorce, une séparation d'une personne avec qui il y a eu des enfants, peut-être un décès aussi pour certains, ça c'est possible. Hein. Et là, on a encore, voilà, vous voyez, on vient nous confirmer deux fois ruine, la famille et la destinée. Bon, il y a clairement là, actuellement, soit vous êtes en deuil d'une situation, d'une fin, que ce soit un décès ou pas, ou soit il y a quelque chose qui prend fin parce que c'est destiné à être comme ça, tout simplement. Juillet, alors là, on est pareil. L'eau, oui, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais en même temps, vous voyez, on a une notion de fierté ici avec la renommée. Donc, si c'est vous qui mettez fin... vous allez avoir reconnaissance, d'accord? Parce que enfin, vous allez réussir à ou vous avez réussi à. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Août, comment ça s'arrange tout ça? Ben, on a un cadeau, là, l'univers vient vous récompenser. D'accord? Je pense que le choix, c'est vous, hein, les cancers, ça c'est possible pour certains. Sinon, bon, malheureusement, c'est un décès qui a peut-être, qui a eu lieu. Hein. C'est pas à venir, là, on est dans le passé présent. Voilà, après cette période de souffrance, on a un cadeau de l'univers. Waouh, et vous êtes clairement protégé, c'est magnifique. Vous êtes protégé, guidé. Tout ça, si c'est une fin qu'on vous a imposée ou si c'est vous qui mettez fin à quelque chose d'engageant, hein, où vous avez mis beaucoup d'énergie, c'est destiné à être comme ça. D'accord? Si c'est un décès, vous êtes guidé, protégé par le défunt. D'accord? Donc, vous allez pouvoir vous appuyer, vous allez pouvoir obtenir, vous allez obtenir du soutien, je pense, d'amis ou de famille. Et là, malgré ces émotions de tristesse, vous allez quand même être soit reconnu, soit on va vous dire c'est bien, je suis fière de toi, etc. Ou soit vous allez vous donner de la valeur, quoi. Enfin, vous être fière de vous. D'accord? Dans tous les cas, on a la protection et on a des cadeaux qui arrivent hein, après le, dans le mois d'août pour vous les cancers. Donc, restez patient, d'accord? Restez patient, laissez le temps au temps, lâchez prise, dites-vous que c'est destiné à être comme ça et c'est tout. Bon, allez, on passe au taroscope les amis. Donc, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti. Donc, je les mélange bien. Ça, on va ranger, c'est parti. Allez, votre challenge pour ces deux mois, les cancers. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? Leçon à retenir de ce mois de juin. La dominante de juillet, d'août. Bon, on en aura deux. On passe maintenant aux deux mois au niveau relationnel, sentimental, professionnel, bien-être, santé. Ce sur quoi il faudra porter attention, la surprise, l'imprévu du mois et l'évolution. Maintenant, on va étaler le deuxième tarot. Certains, là, il y a des divorces hein, pour certains. La justice à l'envers, le 3 d'épée. C'est soit une fin injuste, soit un divorce. Allez, c'est parti. Allez, on y va les amis. On y va avec votre challenge. La mort renversée. Ok, la renaissance. Vous voyez, on a la mort là avec le scorpion. Votre challenge, la renaissance. Donc, c'est possible que cette fin ait déjà eu lieu. Sinon, elle est en cours. Mais qui dit fin dit renouveau, d'accord? Renaissance pour vous. Ah, waouh! Votre challenge, bah, c'est tout simplement peut-être de lâcher prise sur cette fin,
de faire votre deuil, peu importe dans quoi, d'aller vers un renouveau, parce que vous allez pouvoir obtenir la récolte de tout ce que vous avez fait au préalable. D'accord? Peut-être de votre souffrance, peut-être du travail effectué sur vous, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, votre challenge là, c'est d'aller vers un renouveau, de lâcher prise, de faire le deuil d'une situation, d'une relation, ou de mettre fin pour aller vers un renouveau aussi pour certains. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? La force renversée. Mais en juin, il y a eu une baisse au niveau des énergies. Il y a eu une baisse au niveau des énergies en juin. Il y a eu quelque chose au niveau... ça a été un petit peu excessif. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. En juin, donc vous avez peut-être arrêté... comment je peux dire ça? Il y a eu une baisse d'énergie en juin. Il a fallu vous mettre de côté, vous reposer. Vous avez peut-être patienté aussi déjà en juin dans cette situation. Mais il a fallu vous reposer parce que je pense que c'était trop intense au niveau émotionnel, peut-être en mai. En tout cas, vous avez peut-être lâché prise avec une forme d'emprise aussi. Vous avez pris du recul déjà en juin. Le soin en tiré de ce mois de juin, l'étoile renversée. Bon, vous avez tout simplement peut-être perdu espoir. Peut-être perdu espoir. Pas forcément écouter les signes, les messages. Vous avez peut-être pris du recul dans une situation au lieu de d'agir. Je vois, hein, vous n'avez pas agi. Vous êtes mis de côté, vous êtes reposé, vous avez peut-être procrastiné. Parce que là, le soin à retenir, c'est que vous n'avez pas écouté votre intuition, les signes, les messages, votre bonne étoile. Quoi. C'est un petit peu ça, votre guidance intérieure aussi. Ouais. Mais bon, en même temps, peu importe ce qui se passe, peu importe la façon dont on vous attaque, ou que vous êtes attaqué par des énergies ou des peurs, vous êtes dans votre bulle de sécurité. Ce qui compte pour vous, c'est votre bien-être, votre sécurité. Donc là, vous ne vous laissez plus paralysé par les peurs. Malgré le fait qu'il y a... Bon, moi, je pense que vous avez quand même pris du recul dans une situation, mais vous avez aussi procrastiné pour d'autres. Alors, ok, juillet, la tempérance. Vous allez vers une guérison. Les énergies vont être plus fluides là au mois de juillet. Il y a une guérison. Ah, la guérison des blessures de l'âme. D'accord, ok. Donc en juin, vous avez su canaliser vos blessures. Canaliser une blessure, vous n'avez pas eu le contrôle sur une situation. Vous avez décidé justement de prendre du recul, de laisser le temps au temps. D'accord, ok. Leçon à en retenir pour moi, c'est que justement, vous avez bloqué les peurs, vous avez canalisé votre blessure, c'est super. Et là, en juillet, vous obtenez la guérison d'une blessure. La modération, la tempérance, hein, c'est top. Hein. Août, on en avait deux. Ok. Là, en août, vous vous libérez complètement de quelque chose et vous arrêtez de vous voiler la face. Vous voyez, vous vous libérez, vous prenez du recul, vous prenez un nouveau départ et vous arrêtez de vous voiler la face, vous vous écoutez maintenant. Bon, c'est marrant, peut-être qu'il y a des cancers qui sont un peu poissons, mais c'est un peu flou hein, pour moi, comme les poissons. D'accord ? C'est rare que ça m'arrive, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, ça veut juste dire que c'est peut-être vous qui devez comprendre uniquement. Allez, on prend une autre carte avec. Waouh, les amoureux. Bon. Là, c'est vraiment le fait de vous libérer d'une situation et d'être en accord avec vous-même, d'arrêter de vous voiler la face ou de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Mais dans tous les cas, on va parler de choix et d'accord envers vous-même pour le mois d'août. Allez, on passe aux deux mois. Donc, relationnel, sentimental, juillet-août, le jugement, prise de conscience. Pour certains, on peut avoir un retour aussi, le passé qui refait surface. Le roi de bâton. Bon, moi, je vais rester sur un renouveau, je vais rester sur des prises de conscience, je vais rester sur une renaissance. En fait, au niveau sentimental ou relationnel, les cancers, vous renaissez plus fort que jamais. Avec une grande confiance en vous, vous détenez le pouvoir de votre vie, sentimental ou relationnel.
Après, effectivement, pour certains, on peut avoir aussi un retour, parce que le jugement, on parle aussi de retour, retour à la vie, retour d'une personne, ou c'est vous qui retournez, à voir. Bon, à voir, peut-être parce que là, vous allez lâcher prise, mais comme je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas, hein, vraiment. Alors, professionnel, l'empereur renversé, il y a peut-être un désengagement au niveau professionnel, pour certains. Ah, ok, vous vous protégez. Vous vous protégez au niveau professionnel, vous mettez des barrières. Ah, comment on peut? On va mettre une autre carte. Oui, pareil, reine de bâton, bah oui, confiance en vous. C'est ça hein, qui va compter pour vous, hein, les cancers pour cet été. Hein. C'est au fur et à mesure, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, vous allez reprendre confiance en vous. Pour certains, alors ben, effectivement, vous vous protégez. Protégez d'un patron, d'une patronne, ben, voilà. Vous protégez de toute manipulation, de toute rigidité, de toute emprise mal placée. Il y a plus, vous avez plus confiance en vous. Prenez votre indépendance aussi. Santé, bien-être, les amoureux. Vous êtes en accord avec vous-même. Voilà, qui ressort. Hein. Santé, bien-être. Waouh. Bon, santé, bien-être. Bon, écoutez, hein, pour moi, vous allez vous sentir aimé. Déjà, ça va être l'amour chez vous. Vous allez vous sentir aimé, admiré, mis sur un piédestal. Et tout ça va vous faire du bien. Donc, c'est l'amour, là, qui va. Mais très positif. Plus au niveau santé bien-être aussi avec le valet de coupe, vous allez peut-être plus être plus doux envers vous-même aussi. Hein. Retrouver une nouvelle jeunesse. Parce que voilà, c'est l'amour, quoi. En accord avec vous-même, vous allez vous sentir plus jeune, plus en santé, quoi. Guéri, j'ai l'impression. Ce sur quoi il faudra porter attention, on a l'impératrice renversée. On l'a pas là? Non, on l'a pas. Alors, ce sur quoi il faudra porter attention, c'est peut-être sur un côté. Bon, on va voir avec quoi ça sort parce que l'impératrice renversée, elle a plusieurs significations. Encore des bâtons, hein, chevalier de bâton. Il faut privilégier la passion, les passions, tout ce qui est passionnant pour vous. Et être moins dans soit la surprotection ou soit votre côté étouffant envers autrui. Soyez libre, faites-vous plaisir tout simplement pour ces 2 mois. Surprise ou imprévu, waouh, magnifique, bah, le soleil, bah, écoutez, hein, les cancers, vous allez être très bien, très heureux, en même temps que vous allez avoir des révélations. Magnifique. C'est la première fois que. Oh, waouh! L'as de pentacle, il y a un don, il y a un cadeau de l'univers. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une offre, il y a quelque chose qui sort du ciel qui va vous rendre heureux, peu importe dans quel domaine. À vous de saisir. D'accord? À vous de le prendre, ce denier. Magnifique. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est la première fois qu'il tombe le soleil, je crois. Non, ce n'est pas la première fois, mais à ce niveau-là, en surprise, oui. Évolution. La justice. Magnifique. Évolution, c'est bien. Vous êtes stabilisé, juste et équitable envers vous-même. Et c'est ce qui compte, finalement. D'accord. On a une énergie de lenteur. Vous prenez votre temps. Vous acceptez de laisser le temps au temps aussi. Une autre. Et vous pensez à vous. Magnifique. Vous vous donnez de la valeur, de l'importance. Vous pensez à vous. Et peu importe ce qui arrive dans votre vie, surtout dans le domaine sentimental, vous allez accepter d'être dans l'instant présent, de laisser le temps au temps, que ce soit un retour ou pas, parce que vous voulez la stabilité, l'engagement, et vous voulez aussi de la justesse, de la justice dans votre vie. Magnifique. Donc c'est bien hein, les cancers. Moi, je vois des personnes qui guérissent aussi. Hein. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous avancez vers la guérison, parce que vous avez su canaliser des blessures, et là, vous continuez à canaliser ces blessures. Hein. Et pour vous, peut-être ce que vous canalisez, c'est la peur de l'abandon ou la peur de l'inconnu. Top, top, top. Ouais, la lune. Ouais, vous arrêtez de vous voiler la face, vous arrêtez d'être dans l'illusion. Là, vous voyez les choses clairement. On a le soleil. Vous reconstruisez sur du neuf maintenant. C'est bien, moi je vois des guérisons là. Donc continuez à être à l'écoute de votre intuition, les amis. Et on va prendre pour vous cette carte. Allez,
l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain, je prends le temps de m'amuser. Et c'est exactement ça. Quand je vous dis que vous allez lâcher prise, penser à vous, vivre des passions, être plus dans l'instant présent, laisser le temps au temps, c'est super. C'est qu'à mon avis, vous guérissez une blessure d'injustice. Et pour ça, il a fallu vivre quelque chose d'injuste ou une blessure du rejet ou d'abandon, et c'est ce que vous avez vécu pour pouvoir aujourd'hui vous en libérer. C'est magnifique. Et en juin, vous avez quand même pas mal canalisé les blessures. Super. Voilà les cancers, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais je vous souhaite également de passer de très bonnes vacances. Bye bye.